Bonjour à tous, c'est Alexandra Lacrabert. Aujourd'hui, je vous amène découvrir avec Pour Info à Orléans l'atelier coaching de Camille Autier. Bonjour Camille, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton atelier coaching, en quoi ça consiste ? Alors l'atelier coaching, c'est un centre de remise en forme tout simplement dédié au coaching pour toute personne qui sont désireuses d'aller chercher un petit peu plus loin de la performance. Peux-tu nous dire vers quelle personne est destinée l'atelier du coaching ? Donc tout simplement à toute personne qui est désireuse un petit peu de changer sa façon de vivre et de faire du sport aussi, à la fois la personne qui veut perdre du poids jusqu'aux sportifs de haut niveau et personnes qui sont aussi en situation de handicap. Peux-tu nous expliquer pourquoi il vaudrait mieux venir à l'atelier du coaching que choisir une salle lambda ? En fait, tout simplement, avec 18 ans d'expérience, je me suis aperçu que dans les salles de remise en forme, les gens ils étaient un petit peu laissés à l'abandon par les coachs. D'où, on va dire, la croissance de certains clubs low cost où il n'y a pas de coach. Et justement, ici, je veux rester un petit peu sur quelque chose d'intimiste où je peux travailler avec les gens et les coacher tout simplement dans les bonnes conditions. En faisant le tour de l'atelier du coaching, je vois qu'il y a pas mal de machines innovantes. Est-ce que tu peux nous en présenter une ou deux, s'il te plaît ? Comme je disais tout à l'heure, en fait, comme je veux toucher un petit peu tous les publics, effectivement, j'ai cherché un peu partout des machines qui n'existaient pas un petit peu sur Orléans, notamment la machine à cardio pour les bras, pour les personnes qui sont en fauteuil roulant, le tapis de course aussi pour travailler le fractionné pour les gens qui sont vraiment sportifs de haut niveau, et en passant aussi par la presse où on peut travailler le côté un petit peu pliométrie pour les gens qui veulent travailler le côté saut, et aussi pour justement au niveau articulaire être beaucoup plus souple. Justement, elle est faite pour les kinés, cette machine-là aussi. C'est qu'il y a une belle corde avec des belles échelles, il me semble que c'est bien pour certains pompiers qui peuvent venir s'entraîner aussi, non ? C'est pas faux. En fait, déjà à la base, j'avais pas beaucoup de superficie, j'en avais que 300 mètres carrés, et il fallait que je trouve quelque chose qui soit innovant sur Orléans, même malgré que ça existe sur les salles de crossfit. Et du coup, je me suis servi en fait comme support pour faire plein de choses dessus. Et toi, Alexandra, en fait, pourquoi tu viendrais plus à cette salle-là qu'une autre ? Déjà parce que je suis la marraine. Donc j'ai eu la chance et je te remercie de m'avoir choisi. Et après c'est vrai que c'est une salle qui peut permettre à toute personne, d'une personne lambda, une sportive de haut niveau comme moi, venir s'entraîner. Surtout je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont honte ou peur d'aller dans une salle lambda du regard des autres. Donc ici on travaille dans un cadre intime avec toi qui aide beaucoup aussi à ce qu'on connaisse notre corps. Et voilà, t'aides tout le monde dans tous les objectifs personnels, que ce soit de l'adolescent à la personne qui veut moins devenir sédentaire. Donc voilà, c'est pour ça que je choisirais cette salle, avec du bon matériel et un bon coach aussi. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour les small groups, donc des cours collectifs à 10 personnes. Il y aura 4 cours dans la journée, donc je vous donnerai d'ici peu tous les cours et les horaires. Comme vous pouvez le voir, l'atelier du coaching est vraiment dédié à tout le monde, surtout aux personnes qui ont un petit peu peur d'aller à la salle, des regards des autres. Ici, vous pouvez venir en toute tranquillité, travailler votre corps avec un coach qui fera attention à vous et qui vous aidera dans tous vos objectifs.